Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans un décor magnifique. On n'est pas à la Somone, on est dans les îles du Ciné Saloum, à l'aventure avec les aventuriers du Ciné Saloum, avec Pierre qui est le fondateur de cette belle entreprise. Donc aujourd'hui, on a un beau programme. Toute la journée, on sera ensemble pour découvrir les îles. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter le programme, histoire de faire rêver la Bien sûr. communauté? Donc bonjour à tous. En fait, moi je m'appelle Pierre Diouf. Donc je suis originaire des îles du Saloum. Donc et ça fait on va dire 13 ans que j'ai monté les Aventuriers du Saloum. Donc pour aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, on part de Nangan là. Donc Nangan, c'est un peu la porte du Ciné Saloum. Donc de Nangan, on va faire un peu la visite des bolons, de la mangrove. Après la visite de la mangrove, on va aller un peu sur l'île de Marlotte, donc qui est une île assez intéressante à voir aussi. Après Marlotte, nous allons reprendre la pirogue pour aller dans ce qu'on appelle le bolon de Fossemou. Donc le bolon de Fossemou, c'est vraiment au cœur de la mangrove et c'est là qu'on va déjeuner sur notre plateforme, c'est là qu'on va faire des activités nautiques. Donc voilà, donc c'est cette journée-là qu'on Super. va faire aujourd'hui. Waouh! Une belle rentrée pour des mets. Et alors, dis-moi comment tu as eu l'idée de créer les aventuriers du Saloum, parce que j'ai entendu parler de ton histoire, j'ai trouvé ça très inspirant. Si tu peux nous raconter. À la base, moi je vivais à Dakar, donc ça fait 15 ans que je me suis installé ici définitivement. Donc quand je me suis installé ici, j'ai vu que le Saloum, qui était énorme, était vraiment un endroit exceptionnel et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en fait. Donc les gens, ils faisaient juste une petite balade, ils rentraient. Et je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à exploiter ici. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée en fait d'amener les gens sur plusieurs jours. Donc d'où le nom Les Aventuriers du Saloum. C'est de faire plusieurs îles, en dormant soit en bivouac, dans une île déserte, en mettant des tentes mauritaniennes, ou soit en logeant dans des lodges. Mais l'idée en fait, c'était vraiment de me consacrer, parce que je ne voulais pas trop me disperser, me consacrer qu'au Ciné Saloum en fait. Donc c'est là que ça a démarré en 2010. Donc j'ai fait quelques formations d'éco-guide, et quand j'ai fini, j'ai créé les aventuriers. Mais comment avoir des clients? C'était ça le truc, parce que quand tu viens de démarrer, Bien t'as sûr, tu pas, n'es pas de encore clients. connu. C'est ça, exactement. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, voilà, il faut que je fasse passer les choses par le digital en fait, par Internet. Parce qu'on était en 2009-2010, Internet n'était pas très développé ici. Donc moi je me rappelle, je payais 250 francs pour aller au cybercafé. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je fasse mon projet en fonction d'Internet. Parce que dans 5 ans, 4 ans, les gens qui viendront ici, tout le monde aura son portable et regardera pour venir. Tu as eu Donc la voilà, vision en fait. d'habitude en 2010, quand une voiture arrivait, comme vous êtes arrivé tout à l'heure, tout le monde courait derrière la voiture. Et je me suis dit, si je veux faire ce boulot-là, être crédible, c'est les gens qui doivent venir vers toi, c'est pas à toi d'aller vers les gens en fait pour proposer. Donc ça s'est passé comme ça et au début, voilà, je me suis lancé vraiment dans la com. J'ai créé un site internet, une page Facebook, Instagram. Et bien sûr, tu avais une excursion une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Après, petit à petit, le bouche à oreille. Et comme vu, hein, ça a duré 3 ans, 4 ans. Et après, on a commencé, quand Internet est arrivé, on a commencé à avoir des retombées quand même. On a fait Échappée Belle avec France 5, on a fait deux fois le JTTF1, on a fait Télé 5, on a fait Ochoa TV. Donc voilà, beaucoup de Une télé belle comme ça, voilà, visibilité, hein. beaucoup de télé comme ça nous ont aidés aussi. Et comme je dis, la plus belle pub, la meilleure pub c'est possible, c'est la bouche à oreille. Le bouche à oreille aussi nous a beaucoup aidés. Et voilà, et depuis toujours, on essaie avec les aventuriers Saloum de le garder petit, ce qui est très difficile. On ne veut pas trop en faire, ce n'est pas un business les aventuriers. Il faut que ça reste vraiment convivial, que les gens qui viennent, c'est pour ça que la plupart de nos clients deviennent vraiment des amis, parce qu'on veut garder cette authenticité. On aurait pu avoir 10 pirogues, parce Tout qu'on à a fait. énormément de demandes, mais on veut le garder petit et que ça reste toujours convivial, comme la vision qu'on avait depuis le début. Super. C'est pas que ça marche qu'on va en faire un business et qu'il va y avoir énormément de monde, quoi. Donc c'est ça un peu l'histoire des aventuriers et on essaie tout le temps aussi d'être dans des projets innovants. Parce que au Sénégal, voilà, on a l'habitude de rester toujours dans le même truc, quoi, tu vois. Donc nous, quand on est arrivé déjà avec la pirogue, on a dit il faut qu'on crée une pirogue avec des coussins, avec un toit, que les gens soient bien. Parce que les gens, ils confondent des fois l'authenticité, le confort. Dès l'instant où tu es dans une pirogue, c'est authentique. Tu ne peux pas avoir plus authentique. Mais si tu es dans une pirogue, que tu as un peu de confort, que voilà,
que ta journée se passe super bien, mm-hmm. que tu n'es pas brûlé par le soleil, là ça va. C'est clair. Et voilà, et c'est ça qu'on essaie de faire avec ce qu'on va voir aujourd'hui, la plateforme. Ouais. C'est vraiment chaque année d'apporter un nouveau truc. Parce que nous, on a travaillé de, quand on a démarré jusqu'à 2017 à faire connaître le salon. Ouais. On était tous sur ça. On veut faire connaître le salon, on veut faire connaître ce salon. Mais avec Internet, bien sûr, maintenant tout le monde connaît le salon. Mm-hmm. Mais le premier qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vient dans le salon? Tout à fait. Et c'est ce boulot-là qu'on a commencé depuis 2017-2018 et qu'on continue à faire. C'est qu'il faut que les exécutions soient diversifiées, il faut que l'offre soit diversifiée, que chacun y trouve son compte, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, mm-hmm. et que les gens ne s'ennuient pas. Parce que le vrai problème du salon, c'est ça. Ouais. Tu viens 2-3 jours, tu commences à t'ennuyer. Ouais. Parce que tu vas faire la balade à Pirogue, si ça. Et après, c'est bon. Après, il n'y a plus grand-chose à faire. Quoi. C'est ça, c'est sur ça qu'on est en train de bosser. Mm-hmm. Et Inch'Allah, avec de nouveaux projets qui arrivent très, très bientôt. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. C'est vraiment un chouette projet. Moi, je vous ai connu sur Facebook. Facebook. je te suis sur Facebook depuis un moment. Je suis un peu calme maintenant sur Facebook. Ouais. Et puis, c'est un ami aussi qui m'a vraiment invité à venir... faire la journée avec toi, donc je suis vraiment content. Si on veut réserver une journée, comment on s'y prend? Alors pour les réservations, pour nous, c'est... Une journée ou un séjour, du coup? Voilà, c'est sur Internet. Ok, sur le site Internet? Via notre site Internet, ou bien directement sur notre téléphone, notre numéro de téléphone, qui est dessus aussi, vous pouvez réserver. Ou bien même sur les plateformes que nous avons, Facebook, Instagram. Ok. Vous pouvez envoyer un message et on vous redirigera vers notre secrétaire ou vers le site web. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et merci puis bravo pour la vision que tu as eue il y a 13 ans. Merci. Et le résultat est là. Et je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui arriveront dans les prochaines années. Inch'Allah, énormément de choses. C'est super. Promis. On va continuer à suivre. Ça marche. Alors, belle balade à vous tous. On continue notre journée de visite. C'est là qui représente à la communauté catholique du village de Maloute. Et là, c'est un fromager qui représente à la communauté musulmane. Et toujours au niveau de la place, si vous regardez bien aussi jusqu'à présent, il y a quelque chose qui ne se laisse pas inaperçu. Vous avez un brassage entre le cathédrale et le fromager. Vous regardez bien. Mm-hmm. Donc, les deux branches du cathédrale ont directement embrassé le fond du fromager. Donc, ce qui fait actuellement le charme de la place, puisque ce n'est pas n'importe quelle place qu'on verra une image pareille, quoi. Donc avec ce brassage-là aussi, nous essayons de faire une corrélation entre la relation existante entre les musulmans et les catholiques du village de Maloy. Ce qui fait notre particularité aussi.
J'espère que cette belle balade vous a plu avec les aventuriers du Saloum. Prenez contact avec eux pour réserver un séjour, vous ne le regrettez pas. Et nous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet. Inscrivez-vous à la newsletter et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt!